bonsoir tout le monde, m'espère que nous en forme. Dans la vidéo ça, nous parlons ensemble avec moi si vous avez une capacité aux bonnes intentions alternatives. Donc avant, laissez-moi dire nous, partagez la vidéo, likez-la s'il fait nous plaisir et puis abonnez avec Chanel Lansing pour qu'on fait ça, activez la cloche de notification pour nous capable de joindre toute vidéo. Avant même que moi passe dans le circuit, parlez-nous de condensateur qui c'est un appareil qui capable d'emmagasiner énergie électrique. Donc c'est un dipôle passif que lié. Donc il y a deux types de dipôles, il y a un dipôle passif, dipôle actif. Donc c'est assez petit détail moi jugé qui est assez important que pour nous. Même j'ai dans l'autre circuit, donc n'a pas un point qui est important. Donc premier bagage nous gagnons qui c'est impédance. Donc nous connaissons impédance en lui-même dans chaque circuit, moi t'ai dit que il a changé formule. Et bien dans circuit qui gagne une capacité ou bien t'es capable dire un condensateur, donc impédance en lui-même lié égal 1 sur C oméga. Donc c'est-à-dire c'est inverse capacité à multiplier par pulsation. Donc vous pouvez poser le constat à compléter, vous pouvez dire l'inverse de la capacité par la pulsation du courant est. Donc pour qu'on y a ou même pour qu'on ait qui ça que lié. Donc nous connaissons lorsque on dit impédance désignée par la lettre Z, il exprimé en ohm, mais si on dit réactance la XC, donc puisque là c'est un condensateur moyen, donc on met XC égal 1 sur C oméga toujours, c'est toujours même formule là. Après, nous avons la loi de ma valeur efficace qui c'est UE égale ZIE, donc qui c'est impédance multipliée par intensité efficace. Comme impédance dans lui-même dans le cas ça, la li égale 1 sur C oméga, nous sommes capables de remplacer la formule qui fait nous venir gagner tension efficace là, qui égale intensité efficace à diviser par capacité multipliée par pulsation. Facteur de puissance tant toujours égal 0 tant qu'on a une inductance pure, donc cos phi toujours égal 0, pas oublier cos phi lui-même qui désigne facteur de puissance là, il pas gain unité. Après nous gain notre ABD1 qui dit nous la tension bonne d'une capacité est toujours en quadrature ou état par rapport à l'intensité. Signifie que tension il gain moins pi sur 2 retard par rapport avec intensité. Donc c'est-à-dire dans expression mathématique là, n'a capable voir c'est intensité qui gagne plus pi sur 2, c'est-à-dire tension la gagne moins pi sur 2. Comme dans cas ça là moi pas mettre valeur angle, ça signifie que moi prends tension comme origine de phase. Donc nous capable voir dans diagramme là tension li placé li en bas, c'est-à-dire c'est lui même qui en retard, intensité en lui même c'est lui qui en avance de phase. OK, donc comme résumé pour l'autre circuit, dans une résistance pure tension en phase avec intensité, dans une inductance pure tension en quadrature avance de phase, et en dans un condensateur lui-même tension en quadrature retard. Donc j'espère nous maîtriser ça assez bien parce que c'est même eux même qui pral passer lorsque nous mettez en série ou encore en parallèle.